Sibella. Des canailles venues nous voler nos trésors, sans doute. Quel trésor? Ça fait si longtemps qu'on creuse que tout se rouille dans ma tête. Personne ne nous vole impunément. Il est temps de donner une correction à ces cornios. Je dois d'abord choisir une cible. Five, four, three, two, one. J'ai un plein carquois de flèches et je vais m'en servir. On m'appelle le Brise-Crâne. Ici, c'est Bromac qui commande, et il va vous écrabouiller! Trog! Battez-vous pour votre chef! Je dois m'accrocher. Ce troc nous en a fait voir de toutes les couleurs. On sait comment ouvrir la porte, mais cette tête de gâche nous en a toujours empêché. Vous voulez voir un truc chouette? Regardez! Ça a marché! Voyons par la moustache de tir! Encore une porte verrouillée! Laissez-moi c'est dangereux, la porte. Passez devant, que j'en veux la
5, 4, 3, 2, 1. Les secrets du gardien Tyr seront préservés. Une sorte de bibliothèque. Y a que des vieux bouquins là. On trouvera peut-être quelques cartes au trésor. Continuez pendant qu'on jette un œil. Choisir une cible. Cible. Five, four, three, two, one. Activation des défenses auxiliaires. C'est trop loin. Shit.
Visez-moi tout ça. Vous autres, vous avez qu'à continuer à chercher votre bonheur, quel qu'il soit. Ouais, c'est ça, c'est tous les trésors. Extrasage à Paris. Je crains que votre reine ne doive oublier son butin. Le disque que vous cherchez est à moi. Je dois m'approcher. Ce disque pourrait permettre aux aspects de recouvrer leur pouvoir. C'est un risque que nous ne pouvons pas courir. Le disque est perdu dans les méandres du temps, et vous allez le rejoindre.
suis hors de portée. Vous ne pouvez même pas comprendre l'infinité des possibles. Vos efforts sont impressionnants. Les lignes temporelles convergent. Il ne restera qu'un seul aspect. Et Mouros en sera infini.